Les coronateurs de Coronaland, bonjour, c'est Gilbert, maître Gilbert. Bon alors, je m'approche, j'ai peur du vide, j'ai peur de la foule, je suis bien chez moi, j'ai peur de la foule. Ok. T'as donné un coup dans la caméra. Ok. Ouais. Vous êtes deux? Oh. Dès qu'il y en a un qui arrive, je recule, hein. J'attends que vous essayez un peu plus. Trois, soleil, tu dis bonjour. Quatre. Quatre, ah, bien, je bien. Recule. Cinq. Mais je vois là, je vois plus les numéros. Hein. tu baisses un petit peu, je fais la commune caféon. Les enfants, donc c'est le cours intermédiaire, complet. Vous prenez ce que vous voulez. Tiens, il y a des gens qui écrivent. Vous avez le cardio, la nouveauté, c'est que vous pouvez sauter ou ne pas sauter. Je vous montre les deux versions. Qui c'est qui dit bonjour? Dis-moi vite. Bah, c'est. Alors, Béatrice de Barolet, Anne-Charlotte, Valérie, Céline. Valérie, c'est qui? Valérie Tracol. Mais Valérie, on a été présenté. Les enfants, je voulais simplement Sylvia. Vous. Sylvia. Tu as donné un deuxième coup dans oui, la caméra. Oui. Ouais, ça va. Les enfants, là, je trouve vous faites sur le côté. Je voulais vous dire simplement, en dehors du fait que c'est le cours, vous faites le quart d'heure que vous voulez ou tous les quarts d'heure intermédiaire. C'est mercredi et mercredi c'est M6. Donc, toute la barre pilate. Et avec la chaise et au sol, ça va être filmé. Donc je vais changer de ton. Je vais devenir plus gym, moins vert. Allez, on y va. Musique, je suis prêt. Ouais, je suis prêt. Enlève-moi les commentaires là que je me vois. Je marche. Allez, marche. Je cours si je veux. Tu restes simple, hein, chez toi. Tu peux simplement tourner comme ça. Hein. 1983, la Tchunga. Alors, vous ratez quelque chose, c'est la gueule de Schrumpfette. J'ai dû prendre un cran dans la danse, tu vois. Je vais finir la reine de TikTok. Ouais, ouais, ouais. Moi aussi, je vais faire ça. Allez, montez les genoux. Vous pouvez sautiller légèrement. Je vais sur le tapis, Muriel. Allez, genoux vers l'avant. Allez, on sautille. Vous n'êtes pas obligé de sautiller. Hein. Allez. Vous avez vu l'utilisation des diagonales? Ok, on se quitte. Léger, on arrive sur la pointe du pied, on ramène les talons, on respire avec la bouche, on lit. On fait un CDD pendant 15 minutes avec son centre. Allez, petit pas sur le côté. Petit aussi. Et on peut le sauter. Léger, hein. Pensez à souffler beaucoup. Ah, comme ça. Ah. Allez, sur place. Vous n'êtes pas obligé de sauter, hein. Des coups de poing derrière les genoux. J'ai fait une cabane. Il y a ce qu'on fait qui va vous parler d'autre chose. T'es pas obligé de faire ça. Non. Hop là. Pense à souffler. Refroidis du tout avec ton souffle. Non, avec ton souffle avant. Un pas de chaque côté.
Genou un petit peu vers l'extérieur. Est-ce que tu l'as? On vole. Si on veut en faire un peu. Souple. Encore. Hein? Je fais n'importe quoi. Tu oses me dire ça? Ah là là, ça l'empêche. Mon Dieu, je sens mes talons sur mes fesses. Un grand moment. Ouh! Ouh! Allez, on retourne. Ah, vous êtes là? J'ai pas le temps de m'habiller. Vous n'êtes pas obligé de sauter. Deux. Non, non, non. Allez. Encore. Je m'éclate. Ah, ici les moulines, non? Mais oui, c'est comme ça. Encore. Mais pas obligé de sauter. Saut sans saut. Tu te calmes, viens ici. Qu'est-ce que tu as fait? Rentre chez toi. Regarde-moi dans les yeux. J'ai dit dans les yeux. Saute. Tu rebondis. Comme un trampoline. N'est pas obligé de sauter. Deux jambes. Allez, monte. Vous voyez, là je ne saute pas, là je saute, vous ne voyez pas la différence. Alors c'est tout vous ça. Je me crève au travail. Regarde. Vous voyez faire au sol en soulevant les pointes de pied. Hein. Regardez. Genoux sur les orteils. Sans bloquer la respiration. Un peu plus large. Vous avez ça? On va soulever les talons. Et là. Atchoum, comme dit son père. On relâche. Allez. Calmez-vous. Voilà, après tous ces sauts-là, récupérez. Un léger essoufflement. Assemble. Assemble. Alors, soit vous faites un pas de chaque côté, soit vous l'assemblez. Assemble. Deux jambes en l'air, assemble. Carreur. Tu danses. Le dernier. Encore un peu. Tu continues. Stop. Récupère. Les enfants, on tourne, regarde. Tourne. Allez, vous restez. Ma bouteille de lait vient de casser la gueule. Oh, on tourne. C'est ma bouteille de lait. C'est pas grave. On le saute. Allez, si on veut. Si on place. Et tourne trois quarts de tour. Encore.
Attention, deux pas. Un pas, reste là. On va reprendre de l'autre côté. On tourne à gauche. Allez, tourne. Tourne, tourne, tourne. Et tu restes. On tourne encore. Si on veut, on saute. Encore. Je sais pas ce qui s'est passé. Une dernière fois. Encore. Deux pas. Et vous restez. Devant. Vous voulez voir si c'est vraiment moi, s'il n'y a pas de trucage? Non. Ouais. Signé Périnée. Allez, on saute. Encore. I'm the bad guy. Encore. Réalise ton rêve, tu danses à Périnéland. Les épaules basses. Ça fait la Ouh. Ok, on relâche. Allez, pousse les jambes vers l'arrière. Pousse les jambes vers l'arrière. Est-ce que tu l'as? Allez. Saute. Petit. Vous n'êtes pas obligé, hein? Vous pouvez taper en posé vers l'arrière comme ça. Encore. Derrière. 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 Ok, on monte une jambe. Monte l'autre. Devant. 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 C'est un avion. Si on veut sauter. Genoux sur les orteils au sol, toujours. Ok, petit. Récupérez parce que là il y a le grand final et yes. Alors je monte en sauté, derrière, derrière. Ok, et nous, on peut faire des ciseaux. Ça va ça? Accélère. Avance bien le pied avant. I'm a bad guy. Je ne peux pas faire en même temps que je fais le cardio. J'espère que vous chantez aussi à la maison, hein. Et vous faites de la musique comme moi. Allez, encore, avancez le pied. Retour au calme, retour dans l'atmosphère du Périnée. Maintenant. Ouvrez le parachute. Calmez le souffle. Enlevez les impacts. Je vous rappelle que le deuxième quart d'heure, barre pilates, tournage M6. Donc je vais faire le tournage dans le tournage. Bonjour messieurs, dames, bienvenue au Pilates de Jean-Marie, c'est moi. Allez, relâchez. Câlin, câlin, hein? Câlin, câlin, jambes écartées, mais c'était le pas. Allez. Ah, je cours.
jeune dans les diagonales. Ça va ça? Allez. Commence à boire. Allez, tu m'enlèves la musique, chérie. J'enlève les chaussures. Enlevons les chaussures. Mets-moi la deuxième musique, s'il te plaît. La troisième. Mets plus fort, un tout petit peu à peine. Allez, les enfants. Attention, je dois ouvrir ça. Ouais, on accueille les jambes. Attendez. Tu me dis quand t'es prête. Monsieur, mettez-vous derrière, monsieur. Ah, tu me dis quand t'es prête. Alors, trois. Tu vas entendre le petit bruit. Bonjour. Bienvenue au groupe M6, c'est votre vidéo quotidienne, même hebdomadaire, dès le début, hein, vous avez vu. On va commencer par la barre, donc la chaise, pilates. Donc vous avez le droit d'avoir un poids pour aussi renforcer le haut. J'ai pris 1 kg, vous pouvez prendre 500 grammes. Est-ce que vous êtes prêts? On y va? Après vous allez au sol, vous avez le tapis, le coussin et la serviette. Allez, on va commencer en parallèle les enfants, la barre toujours en avant. Pliez les jambes, collez les talons. Et vous tendez, vous montez sur la pointe des pieds. Pliez. Je vous montre de profil. On n'envoie pas les fesses en arrière. Voilà. Et on ne lâche pas le ventre. Donc imaginez, vous avez pris un coup de poing dans le ventre. Voilà. Très bien. Le périnée engagé. C'est la base de la contraction abdominale. Est-ce que vous l'avez? On va essayer une chose. On va ramer. Regardez. Vous ramez. C'est le coude qui monte. Le coude est légèrement en avant, avec l'épaule basse. Très précis ce mouvement parce qu'il est souvent mal fait. Arrêtez la main sous le niveau des épaules. Voilà, vous voyez, vous ramez comme ça. Juste une main. Le coude légèrement en avant, sous le niveau de l'épaule. Pour baisser l'épaule, vous contractez sous l'aisselle et en bas de l'omoplate. Toujours en parallèle. Cherchez votre équilibre. Un doigt sur la chaise. Ouais. On change de côté. Allez, la même chose, parallèle. On commence par le mouvement des jambes. Tendu. Bascule le bassin. Some say yes. Allez, on rame. On s'arrête sous le niveau des épaules. Là. Le coude est un peu en avant. Vous voyez, le coude est sous le niveau de l'épaule. Hein. C'est toujours un tout petit peu en avant. Vous voyez, comme si c'était une planche en biais. C'est exactement ça. Allez. Donc là, on renforce le haut du dos et l'épaule. Soufflez en montant. Montez haut sur les demi-pointes. Et attention, si vous avez deux genoux qui sont hyper laxes, vous tendez sans verrouiller le genou. Il y a une nuance, ça reste musculaire. Et on ne verrouille pas l'articulation. Allez, vous relâchez. Ça va tout le monde? Alors, on part de se plier. Et qu'est-ce qu'on va faire? Un coup de pied devant. Et le deuxième, on le pointe. Et on va reculer le bras. Et le deuxième, on le pointe. Les deux hanches au même niveau. Pour équilibrer les hanches, vous engagez bien les obliques. Talons. Et pointe. Et évitez surtout ça, de partir sur le côté. Les deux fesses au même niveau. Et l'impression, c'est que votre poids règle le sol. Cherchez jusqu'au bout du talon et au bout des orteils. Sentez bien la contraction derrière le bras, sous le bras, derrière l'épaule, entre les omoplates. C'est tout. Et c'est déjà assez change. Allez, on commence par le mouvement du bras, pousse vers l'arrière. Talon. Pointe. Continue. Talon. Taper. Dans la. Talon. Et pointe. Encore. On doit sentir autant le travail de la cuisse que le travail en haut, derrière le bras, sur le dos. Vous
Vous sentez que c'est... On sent plus la contraction avec le pied flex, hein, en haut de la cuisse. Oui. C'est pour ça qu'on alterne aussi, hein. Ce sont des muscles qui sont très tendus, il ne faut pas arriver à les tétaniser. C'est le dernier. Ok, allez, relâchez. Alors les enfants, vous allez écarter. Imaginez que vous êtes à cheval. Voilà, vous avez les genoux et les pointes de pied dans les diagonales. Vous allez vous soulever comme ça. Essayez ça, voilà. Soulevez. Et pour ne pas tordre les chevilles, je vous montre de profil. Poussez un tout petit peu les talons vers l'avant pour ne pas faire ça. D'accord? Ça marche? Allez, diagonale. On monte. Et on monte. Et on va monter le bras dans la diagonale. La chaise est toujours en avant, vous vous rappelez? La chaise sur le côté, vous êtes déjà en train de tordre l'épaule et de tordre le dos. Voilà, ne verrouillez pas le coup de pied, hein. On monte, mais on reste, ça reste musculaire. Je sais, ça cuit dans les cuisses. Cuit-cuisse. Je me promets, à chaque fois, je ne vous dirai pas cuit-cuisse. Et on change de la côté. Ok, allez, à cheval. Dans les diagonales, genoux et pieds. On soulève, on pousse les talons vers l'avant. Ça va, vous l'avez? La tenue dans le ventre, dans le périnée, elle en avance. La régie, est-ce que ça va là, vous me voyez? Ouais. Alors, des petites questions, à quelle hauteur monte-t-on le bras? Sous le niveau de l'épaule, toujours. Il y a une pathologie dans l'épaule, il faut baisser l'épaule pour monter le bras. Donc sentez bien que c'est contracté sous l'aisselle. Voilà, le bras n'est pas tendu à fond, car vous avez un poids dans la main. Donc on ne verrouille pas l'articulation du coude. Voilà. Souffle, monte. Souffle, monte. Attention, c'est le dernier, profitez-en. Voilà, bisous, fini l'exercice. Cette fille est folle. Alors regardez, vous pliez. C'est la jambe de la barre qui va monter. Vous allez allonger derrière. Et vous allez pousser avec le talon. Talon. Vous restez en parallèle, donc les orteils vers le sol. On penche un petit peu en avant. Et on monte le bras opposé. Voilà. Ça va, vous l'avez ce truc-là? Regardez. Là, comme ça. Voilà. Toujours la barre en avant. Ouais, reviens. Talon vers le haut. Les orteils et le genou vers le bas. Deux épaules face. Ouais. Ok, on reste en l'air. On pointe. On pointe. On pointe. En bloquant bien le bras. Et on reste. Allez, la jambe du côté de la barre. La barre est toujours en avant. Allez, on monte par le talon. On garde le genou vers le sol. Et c'est le bras opposé. C'est très important de travailler la fesse d'un côté, donc le bas du dos, et le haut du dos de l'autre côté. Alors, on aurait pu le faire devant, mais là, ça aurait demandé un énorme travail d'épaule et je préfère que vous soyez juste. Voilà, donc j'ai rétrogradé. Et c'est important de faire quelque chose de juste. Surtout à distance. Some people say, mais moi j'ai dit non, autre chose. Allez, souffle-t'en. Voilà. Imaginez vous creuser un sillon avec votre poids. Donc ça vous sert à baisser l'épaule. Vous êtes prêts pour les pointer en haut? Allez, on reste. Pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, il en reste. Et le dernier pour la transition. J'ai le cul qui cuit. Non, j'ai rien dit. Les enfants, qu'est-ce que vous allez faire? Vous vous demandez, hein? On pousse ça en arrière et on monte le genou. Ça va ça? Et on revient derrière. On monte le genou. Voilà. Vous me voyez? Monte. Alors, le genou monte, mais on ne part pas en arrière. Donc, vous gardez vraiment les côtes vers le bassin. La contraction des obliques. Et on creuse un sillon là, avec son poids. Et... Cherchez l'équilibre. La main en avant. Stop, change, tu es prêt? Allez, va, monte. Tu as vu mon truc? Je saute, hein?
Un peu de musique pour un passe de l'autre côté. Ah ouais, je suis pro, mais oui, je sais. Les deux faces au même niveau. Jambes de terre solide. On appuie les orteils. Oh, bravo. Hein. Bravo, cocher. Sans partir en arrière, n'oubliez pas les obliques, les côtes vers le bassin. Vous êtes prêts pour le changement? Parce que le changement... Exact! C'était là. Vous vous rappelez? À cheval, genoux dans les diagonales, vous avez les genoux qui ne dépassent pas les orteils. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer sur une jambe. Donc vérifiez bien que le genou reste au-dessus des orteils. Regardez-le. Voilà, vous montez l'autre genou vers l'extérieur. Et on va faire une résistance. Vous mettez le poids sur la jambe. Voilà. Vous poussez un petit peu vers le bas et vous montez la jambe. Je regarde bien mon genou qui est aligné avec les orteils. Hein, dans la diagonale. Qui aurait cru qu'on aurait tellement de muscles sur les fesses? Il y en a 6. À l'autre côté. Dans les diagonales. Donc genoux au-dessus des orteils. La barre un peu en avant. On monte. Résistance, on appuie. Allez, souffle. Dans les diagonales. La barre vers l'avant. Je regarde simplement mon genou de terre. Aligné avec les orteils. Je le surveille parce que je ne veux pas qu'il tourne en dedans. Voilà, donc je serre bien la fesse, j'appuie l'extérieur du pied. Et on change. On va derrière. Alors, on est toujours avec la jambe de la barre. Comme ça, on a plus d'équilibre. Et regardez ce qu'on va faire. On va imaginer qu'on pointe une balle ici. Et vous allez aller derrière. Et vous allez revenir devant. Ça va ça? Allez. Maintenant, quand vous allez derrière, vous allez remonter le poids vers l'avant sans dépasser le niveau d'épaule. Donc vous voyez, le coude reste toujours sous le niveau d'épaule et c'est ça qui sauvegarde votre épaule. Un tout petit peu écarté vers l'extérieur, bassin face. C'est le dernier. Change de côté. Vous êtes prêts? On monte? Allez, vers l'arrière. Et on revient. Avec le bras sous le niveau de l'épaule. Un petit peu écarté vers l'extérieur, à peine. Gardez le bassin face. Gardez les épaules face. Tenez le ventre. Périnée, les enfants, périnée. Ok, allez vous relâcher. Alors, c'est très bien. Maintenant, vous allez poser le poids. On va essayer ce qu'on a fait au début, face à la barre. Voilà, vous allez monter sur les deux pieds. Tout doucement, on est en parallèle. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de monter sur un seul pied. Voilà. Donc, gardez un pied en l'air. Flex ou pointe. Voilà, les doigts sur la barre, mais léger, hein. Sentez bien tout le travail du mollet et à chaque fois que vous descendez, vous posez le talon. Alors, souffle monte. Sans partir en arrière. Et on fait l'autre côté. Allez. Monte. So good. Ah. Il y a la régie qui danse. Hein. On dirait Groucho Marx, la régie. Groucho Marx. Ok, allez relâchez un petit peu. Ah, ça va les enfants? On fait un petit étirement de fin. Montez la jambe. Montez la jambe, montez la jambe, montez la jambe. Allez, de l'autre côté. Montez la jambe, montez la jambe, montez la jambe. Ah.
On va au sol. Si vous avez envie de boire, c'est le moment. Prenez le tapis. Waouh. Et changez de musique. Allez. Est-ce que vous me voyez à la régie là? C'est bon? Ouais. Est-ce que vous me voyez jusque là? Ok. Allez. Les enfants, le coussin à la serviette. Mettez les mains derrière les cuisses. Mettez-vous sur les ischions et les os des fesses. Serrez les jambes. Allez, on arrondit le dos, on souffle. Et on souffle, on revient. Est-ce que vous pouvez zoomer peut-être pour l'exercice? Et enlever la publicité peut-être? Je ne peux pas faire. Je sais. Surtout vous êtes stagiaire, vous êtes payé. Rien. En céréales? Je pourrais vous dire que j'ai une crampe aux abdos, mais ça pourrait vous énerver. Pourquoi? Parce que je suis pas sûr que quelqu'un ait déjà eu une crampe aux abdos avant moi. Bah si, moi. C'est vrai? Ok, vous vous enroulez jusqu'au sol. Ah, vous mettez le coussin entre les genoux. Si vous avez un ballon, vous mettez le ballon. Allez, vous basculez le bassin. Et vous allez monter progressivement plus haut en appuyant bien les talons. Vous avez vu que j'ai les pieds joints. Voilà. Soufflez, vous montez. Soufflez, vous montez. Voilà, vous serrez bien. Pour ceux qui ont le ballon de Pilates, qui font les cours avec moi régulièrement, vous le mettez comme ça. Hein. Et vous gardez les pieds à la largeur du ballon. On reste pour faire la même chose en haut. Basculez bien le bassin. Appuyez vos mains sur le bassin. Comme ça, vous avez un travail de dos derrière des bras. Et c'est plus dur de monter les fesses. Écrasez bien le ballon ou le coussin. Alors, les omoplates qui rayent les fesses. Il y a toujours quelque chose à corriger. Hein, à Périnéland. Ok, vous relâchez. Mettez quelque chose derrière la tête. Attrapez la jambe avec la serviette et vous attrapez de façon égale des deux côtés. Alors, vous allez plier les bras, mais vous allez faire une résistance avec la jambe. Donc la jambe pousse vers l'avant, les bras tirent vers vous et vous équilibrez cette résistance pour ne pas avoir à hausser les épaules parce que c'est trop dur. Voilà, sentez bien le travail des biceps. Vous allez faire ce petit truc là, vous voyez, de mettre les paumes vers vous quand vous venez. Comme ça, voilà. Ah, ouvrez. Ouvrez. Toujours avec la résistance. Ouais, encore. Et c'est le dernier là. Vous montez l'autre jambe. Vous restez toujours avec cette résistance. Et la deuxième jambe descend. En soufflant. Les épaules basses. Ouvrez bien ici. Sentez le travail du dos entre les omoplates, sur les biceps. La jambe reste tendue. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous les fesses ou à limiter l'amplitude de la jambe. On change de côté. Allez. Vous poussez vers l'avant. Vous poussez vers l'avant et vous ouvrez en même temps. Ok? Allez. Donc vous résistez. La jambe n'est pas inactive. Elle pousse vers l'avant. Vous ouvrez. Ok, on complique. Allez. Souffle. Les bras fatiguent. Hein. Ouais. Ouvert. Et on colle les poings. Ouvert. Et colle les poings. Avec la jambe tendue. Si vous avez besoin d'appuyer ici, vous le faites. Hein. Tout le monde n'a pas la même souplesse. Ok, vous relâchez. Alors, relâchez un petit peu les bras. Voilà. Enlevez un petit peu la hauteur, là. Vous allez garder les jambes en l'air. Si vous avez le ballon, vous mettez le ballon entre les genoux. Vous n'êtes pas obligé. Ça peut être un coussin. Vous attrapez ça en V. Et vous allez aller vers l'arrière. Et revenir. Sans lever les épaules. Donc, vous contractez très fort sous les aisselles. C'est là
Les muscles qui baissent les épaules sont là. Ne lâchez pas la tenue abdominale. Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que vous vous sentez d'éloigner un petit peu les jambes? Si ça tire sur le dos, vous ne le faites pas, vous mettez quelque chose sous les fesses. Je ne vais pas loin, vous avez vu? Ça fait un V avec les bras, avec les jambes. Petit minuscule. Hein. On ne fait pas ça, vous êtes toute seule. Hein. Ne faites pas ça. Hein. Tout seul. Tout seul, pardon. Et si le féminin l'emportait? Qu'est-ce que t'en penses, Shana? Non? Et vous relâchez, c'est formidable. Alors, relâchez ça. Vous allez aller à plat ventre. Vous allez mettre le coussin sous l'os du bassin en remontant vers le nombril. Donc bassin nombril. On commence les bras le long du corps. Les jambes parallèles. La salive sur les fesses. Elle est tendue. Vous voyez, les mains vont tirer vers le sol. Et ce sont les pouces qui vont vers le sol. Comme ça, vous allez avoir un excellent travail des épaules à l'avant et de la poitrine. Allez, vous soufflez, vous montez, on plane au-dessus du sol. Et vous soufflez, vous redescendez, vous posez la joue. Inspirez, ouvrez les épaules, soufflez, vous montez, regardez le sol. Inspirez, vous restez et je m'en vais, je pose la joue de l'autre côté. Ouvrez la poitrine, inspirez, soufflez, vous montez. Inspirez, soufflez, vous redescendez. Maintenant, quand vous montez, essayez, au lieu de pousser les mains vers le sol, de les pousser vers le haut. Voilà, mais sans faire des bêtises. On a les épaules placées, elles restent basses. Allez, souffle, monte et inspire, revient. Écartez bien les jambes. Et vous revenez. Écartez bien les jambes. En V. Et vous revenez. Soulevez les bras. Épaules basses. Souffle, reviens, souffle, et vous relâchez un petit peu. Descendez le coussin sur le bassin et les jambes. Voilà, mettez les bras en V avec les coudes collés. Vous allez monter une jambe après l'autre en soufflant. Voilà. Descendez bien les coudes. Allez, souffle, monte, sans lâcher le ventre. Hein. Jambes tendues, coccyx vers le sol, et quand vous descendez la jambe, vous montez le buste, montez la jambe, descendez le buste, descendez la jambe, levez le buste. C'est plus dur à dire qu'à faire, je crois. On essaie de monter les deux jambes, en V. Allez, basculez bien le bassin. Et redressez le buste sans lâcher le ventre. Et vous relâchez. Allez, étirez vos quatre pattes. Mettez les mains sous les épaules, les mains de la largeur des épaules. Donc ne serrez pas les mains, sinon vous allez soulever les doigts. Allez, on repousse le sol. Et on revient à l'autre. Repoussez le sol. Faites-moi la même chose avec les genoux en l'air. Donc basculez le bassin, soulevez les genoux. Repoussez le sol. Et revenez l'autre. Repoussez le sol avec les mains. Toujours les genoux en l'air. Repoussez le sol. Et vous revenez. Repoussez le sol. Et vous revenez. Dernière fois. Et vous relâchez. Ah. Allez, déroulez un petit peu. On va sur le côté. Le genou sur le coussin, la main sous l'épaule, appuyez bien le pouce et l'index. Vous avez mal au poignet, vous l'éloignez un petit peu. Allez, montez la jambe, parallèle au sol, les orteils vers l'avant, le talon vers l'arrière. Et quand vous allez monter, vous allez plier le bras. Le coude se dirige vers la cuisse. Gardez bien l'épaule à l'aplomb. Des ongles, comme si vous plongiez par-dessus. Un changement bien. Hein.
Change. Allez, pied flex, la main sous l'épaule. Vous avez mal, vous éloignez. Appuyez le pouce et l'index, coude vers la cuisse. Allez, on monte, orteil vers l'avant. Et on va essayer de plier un peu le bras. Ouais, le coude vers la cuisse. Dernière fois. Ça va lâcher bien. Alors, de nouveau. Deux jambes pliées, le pied du plafond par-dessus l'autre. La main sous l'épaule. Vous baissez l'épaule en contractant sous l'aisselle et vous montez. Vous restez là. Vous allez serrer les jambes. Et vous allez relâcher. Appuyez bien les doigts. Souffle, serre les jambes. Et reviens. L'impression, c'est de vouloir ramener la main vers les pieds pour baisser l'épaule. Allez, soufflement. Et relâche. Serre les jambes. Relâche. Dernière fois. De l'autre côté, le pied du plafond par-dessus l'autre. Repousse le sol avec la main. Sans la contraction sous l'aisselle. Reste. Et on monte. Allez, serre les jambes. Appuyez bien le pouce et l'index. Serre. Serre. Avec le périnée et les obliques pour stabiliser le bas du dos. Encore. Serre. Dernière fois. Ok, relâchez surtout les mains. Car à ce stade de l'aventure, c'est difficile pour les poignets peut-être. Comment ça va? Attends, on se met sur les coudes. Allez. Les coudes sous les épaules. En planche. Serrez bien les jambes. Vous y êtes? On plie une jambe après l'autre. Le genou ne descend pas. Gardez la hauteur du genou, mais gardez la bascule du bassin. Les épaules basses, l'impression de ramper. Est-ce qu'elle l'a ou est-ce qu'elle ne l'a pas? Et vous relâchez. Ah, relâchez les épaules. Ce je ne sais quoi de sueur. Est-ce que vous êtes prêts pour les pompes? Ouais. Vous voulez faire les vraies pompes de Pilates? Oh là là, il n'y a qu'à demander. Commence debout. Vous me dites si vous me voyez à la régie en entier. Ouais. Ça marche? Allez, on monte les bras, on inspire. En soufflant, on va arrondir le dos. Plie les jambes. Et on marche. On est en planche. On fait une pompe. On peut poser les genoux. Deux pompes. Trois pompes. On recule, plie les jambes. Pousse le ventre en arrière. On remonte. Encore une fois. Inspire, monte. Soufflez. Arrondissez le dos. Pliez les jambes. Marchez. On plie les jambes ou pas. 3. 2. 1. On n'a jamais fait. On revient. Hein? Non. On se redresse. On essaie de monter sur la pointe des pieds pour trouver l'équilibre. Dernière fois. Allez, inspirez, vous montez les bras. Et arrondissez le dos. Pliez les jambes. Serrez bien la taille. Allez, on marche. Serrez bien, soutenez le bassin et on y va. 3, vous pouvez plier les jambes. 2, dernier, reculez, déroulez, équilibre, sans partir en arrière. Allez, relâchez. Alors, rapidement, pour vous dire au revoir avant la semaine prochaine, mes M6, on s'étire en fente. De l'autre côté. On étire derrière la cuisse. On penche en avant sans arrondir le dos. De l'autre côté. Et on étire sur les côtés. Bras en avant, sur le côté, tenez bien le ventre. De l'autre côté.
Et voilà, chérie. Bonne semaine, à la semaine prochaine. N'hésitez pas à m'écrire, je suis disponible. Ciao. C'est fini. J'étais comment? Allez, on va faire le stretching, les enfants. Je vous remets... Attendez. Quoi? Je voudrais voir juste les commentaires. Envoyez-moi des pouces, faites des choses. Ça m'a déprimé tout ça. J'étais sérieux. Mais oui, pouce. Allez, on y va. Moi, je peux partir? Tu, m'as mis, ouais, tu peux partir, tu peux me laisser un petit peu de musique. Ouais. On y va? Allez, je vous raccompagne, tu dis au revoir. Oui. Voilà. Vous lui donnez un petit pourboire? Tiens, bois. Des céréales. J'ai vu vos pouces, hein. I was magnifying. J'ai magnifié ton périnée. Voilà, mais ça reste entre nous. Allez. On s'assoit et on pivote. On se redresse et on pivote de l'autre côté. Inspirez-vous, vous redressez, pieds flex. N'hésitez pas à le faire en losange hein, s'il y a des problèmes de genoux. Allez, continuez. Moi, alors ne m'en veuillez pas, c'est pas un truc de mégalo, mais j'enlève les messages parce que je vous vois pas. J'ai vu ton pouce, toi. J'ai mis du fado, vous savez que j'aime beaucoup de ces trucs, eh, oui. C'est vous. Et vous pivotez. Allez, on tend les jambes. Ouais, n'hésitez pas à mettre lourd, haut sous les fesses. Rendissez bien le dos. Si vous avez besoin de plier un peu les jambes, be my guest. Soyez mes invités. On croise par-dessus. Posez bien la fesse. On attrape le genou. Une main pour grandir et une main pour tirer. Résistez un petit peu en poussant le genou contre la main. On inspire, on grandit, on souffle, on pivote. Alors sur l'inspiration, vous revenez un petit peu et vous soufflez ou pivotez davantage. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez plier cette jambe-là. S'il n'y a pas de mot de genou, pied flex. Alors pour les gens qui sont moins souples derrière la jambe, ça peut être une option. Hein. La première option, c'est d'avoir haut sous les fesses. Change de côté. Allez, grandissez-vous bien. Ah. Allez, on croise. Gardez les fesses plantées là. Plantées là. Voilà. Une main pour grandir, une main pour tirer. Et un genou pour résister en poussant vers l'extérieur. On inspire, on grandit et on souffle, on pivote. Et si vous voulez aller plus loin, vous pliez. Enfin, plus loin. Si vous êtes plus à l'aise comme ça, n'hésitez pas. Ça vous enlève le souci de cette jambe qui est tendue devant vous. Voilà. S'il y a des maux de genou, vous gardez tendu. On inspire, on relâche. Et on souffle, on pivote. Privilégiez toujours de grandir le dos. Parce que c'est tellement facile de faire des choses comme ça. Mais là, on a complètement oublié le dos. Et un dos que vous oubliez, eh bien, c'est un dos qui va se rappeler, vous rappeler qu'il existe. Hein. Pas sympa. Il faut toujours être ami avec son dos. Résistez, hein. Poussez le genou contre la main. Ok, allez. On pousse les genoux vers le bas. Ouvrez les pages des pieds. Là, vous voyez, on ouvre le livre. Poussez les genoux vers le sol. Si ça fait mal, vous avancez un petit peu, d'accord? Au moins un angle droit sur, entre le mollet et le cuisseau. Et merci à celle qui m'a composé une chanson tout à l'heure. Hein. C'était sur quoi? Sur « Il m'entraîne au bout de la nuit » C'est ça? En changeant les paroles? Je sais plus. Enfin, on verra. Alors les enfants, retrouvez-moi maintenant ce losange là. Ça vous permet d'avancer un petit peu les fesses. Voilà. Vous allez avancer le nombril le plus loin possible. Donc, du coup, le bas du dos.
parce qu'il ne s'arrondit pas. Voilà. Et vous allez essayer, si vous voulez, pas obligé, de pousser un peu les genoux vers le bas. Alors, de toute façon, je sais que vous sentez un petit peu l'extérieur des jambes, les fessiers. Vous avez vu que je n'arrondis pas le dos, hein. C'est le nombril qui va vers l'avant. Et je grandis bien la taille, le cou. Alors, j'éloigne les fesses de la tête. Pensez à enfoncer les jambes dans le sol. Enfoncer les pieds. Voilà. Et là, vous allez vous sentir vraiment qu'il y a plus d'étirement avec cette résistance à l'extérieur des jambes et sur les fesses. On inspire, on grandit, on souffle, on va plus loin vers l'avant. Même si vous ne le voyez pas, vous sentez que ça progresse, vous allez au bout de l'expiration. On étire derrière la cuisse, c'est promis. Allez, attrapez la jambe. Laissez dépasser les orteils, équilibrez la serviette. Et mettez l'autre jambe à table. Étalez bien les orteils, ramenez-les vers vous. Mettez assez haut derrière la tête pour ne pas avoir les épaules en avant et le cou cassé. Ah, les épaules basses et en arrière. Ah, si vous êtes à l'aise, vous pouvez descendre cette jambe-là sans la poser au sol. Hein. Elle reste parallèle. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, c'est. Vous avez le talon vers le bas toujours. Avec la jambe du haut, vous résistez à l'étirement. Pensez à fléchir à peine le genou. Déjà pour ne pas mettre trop de pression sur le genou, mais aussi pour étirer davantage le muscle derrière la cuisse. Allez, on fait la tête. Équilibrez bien la serviette. Gardez les deux fesses au même niveau. Ramenez tous les orteils en les étalant, comme ça. Et l'autre jambe à terre. Vous résistez un peu à l'étirement, poussant la jambe vers l'avant. Vous déverrouillez le genou, il est un peu fléchi. Voilà, vous poussez vers l'avant. Et puis après, cette jambe-là, vous la descendez sans la poser. On inspire, on grandit. On souffle, on étire davantage. La jambe résiste vers l'avant et le genou est légèrement plié. Oh. Allez, on relâche. Alors, vous allez ramener le genou vers vous. Vous attrapez avec la main opposée, vous ramenez vers l'intérieur. L'autre bras en croix en V. Vous voyez, c'est vers le sol, vers le bas. Voilà, c'est refermé, c'est pas comme ça. Gardez la bascule du bassin. Gardez le pied flex qui pousse loin vers le bas. Gardez la résistance, l'impression de vouloir ramener le genou vers le plafond. Vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous allez plus loin. Gardez surtout la bascule du bassin, la tenue abdominale dans cette rotation. Allez, faites de l'autre côté. Grandissez par les pieds, ramenez le genou. Attrapez la face externe du genou, le bras en V. Vous ramenez vers l'intérieur, poussez loin sur le talon. Gardez la bascule, coccyx vers le haut. Serrez la taille, les côtes vers le bassin. S'il y a un côté qui est douloureux, qui pince, n'hésitez pas à refermer complètement le bras et à plier l'autre jambe. Vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous allez plus loin. Coccyx vers l'avant. Résistance, le genou pousse vers le haut légèrement. Ou ça craque. Allez, vous relâchez. Étirez encore une fois l'autre jambe. Pied flex. Résister en essayant de refermer les jambes vers le haut, un petit peu. Alors, essayez de déplier les jambes, faites ce que vous pouvez. Alors, une fois que vous êtes déplié au maximum, vous essayez de refermer les jambes un peu vers le haut. Légère résistance sans bouger.
Je flex. Allez, au bout d'expiration. Et vous relâchez, vous refermez. Alors, vous attrapez derrière les jambes pour vous asseoir ou bien vous passez sur le côté si vous avez mal au dos. Ça va? On passe en fente. Allez, mettez quelque chose sous le genou. Vous savez quoi? On va peut-être se servir de la chaise, que c'est extraordinaire pour l'équilibre et pour se redresser. Je la mets là. Voilà. Le pied à l'extérieur de la chaise. Donc, vous voyez? Voilà. Je bascule le bassin. J'ai mis quelque chose sous le genou. J'appuie le pied à l'arrière. Donc je resserre le bassin vers les côtes, c'est la contraction des obliques. Le pied à l'avant, un peu plus loin que le genou. Redressez-vous bien. Le fait de se redresser, vous voyez, de reculer le nombril, ça va étirer le psoas. Très important. Le muscle qui a monté les jambes, qui a ramené les jambes aussi, alors dans le cardio, qui a ramené les jambes dans les abdos. Et puis, qui se rétrécit avec la mauvaise posture assise, vautré pendant le télétravail, tu rougis. Je te pardonne, tu corriges. Ah. Alors, je le fais. Le pied à l'extérieur de la chaise. Le pied appuyé à l'arrière avec le talon vers le plafond. Basculer le bassin. Ramenez le bassin vers les côtes. Voilà, et après vous avancez le bassin sans lâcher la tenue abdominale. Évidemment le périnée. Appuyez le pied à l'arrière. Vous allez de plus en plus loin avec le bassin. Sentez l'étirement ici. Ah! Allez, vous tirez les côtés. On les fait sur la chaise. Comme ça, si vous êtes assis, prochainement, dans les désespérés confinés. Voilà. J'espère que je suis décent. Ça va. Alors, vous allez monter le bras par l'avant. Jamais sur le côté, comme ça. Hein. Par l'avant, en le décollant de la tête. Et vous voyez, ça reste carrément dans un plan qui est vers l'avant. Hein. C'est pas la verticale. Vous êtes ici, attrapez le poignet, vous allez sur le côté en vous arrondissant légèrement le haut du dos. Poussez le ventre et le bas des côtes en arrière. Vous voyez mes orteils qui dansent? Je suis en train de les voir. Je pense que c'est quelqu'un d'autre qui est en bas. C'est comme s'il y avait Gilles derrière, tu vois. Allez, attendez. Monte, écarte le bras, toujours en avant, attrape. On va sur le côté, donc vous serrez la taille de ce côté-là. Vous arrondissez juste le haut du dos par la contraction abdominale. Pousse le ventre en arrière, le bas des côtes. Et essayez de grandir le côté vers lequel vous allez toujours. Hein. Allez, on refait les deux côtés. Vers l'avant. Écartez de la tête. Alors c'est à vous de voir si vous avez besoin de vous arrondir un petit peu ou si vous pouvez vous redresser un petit peu. Côté. Avant. Écartez. Attrape le poignet. Allez. On s'étire sur le côté. Et soit on arrondit un petit peu, soit on redresse un petit peu. Si ça pince, si on a mal à l'épaule, on arrondit. Les enfants, c'est fini des deux côtés. J'arrive, je vais vous dire au revoir. Allez, merci d'avoir eu la patience de la filmation sur M6. Je reprends contact avec vous. Je reviens vers vous, comme ils disent dans l'immobilier. Sylvia, allez, enfile ton short lamé. Arrête, Sylvia, il ne faut pas dire à tout le monde. Il y a des gens qui me croient encore que je suis super viril. Christine, moi, Madeleine glouglou, c'est une promesse, hein,
On va de la vodka, hein? Signe de déconfinement. Opération vodka. Anne-Charlotte, merci, merci, bisous. Ben, je suis sûr que tu m'as dit des horreurs, je les lirai. Laetitia. Ah! Vous savez, c'est Laetitia Dachi qui a fait de moi Gilbert, qui est en train de devenir Gimbert. On va se la faire, la petite crevette. Jessie, moi. Ah, mais j'ai beaucoup à répondre. Anso, chouchou. Marie-Sophie. Ah oui, d'accord. Ça va, il y a des gens que je connais pas hmm? C'est un des millions de copains. Se donne la main. Vous aimez ma coiffure? Bon, allez, on s'en va. Allez, à bientôt. Ciao. Attends, il y en a encore qui arrivent. Christine. Arrête. Donc, je t'envoie ton billet comme promis. D'accord. Tous ceux qui écrivent des bons mots, je vous envoie des billets. Sylvia, merci. Petite question technique. Ça change quoi de faire des exercices de barre pieds nus? Ben, pieds nus, tu as tout le travail du déroulé du pied, évidemment. Mais je ne veux pas rebuter les gens qui se disent c'est trop féminin, tu vois. Il faut que ça reste quand même quelque chose d'athlétique. Si tu as fait de la danse, tu te mets pieds nus. GG, génial. GG, génial. Christina, hola, querida. Allez, ciao. Je m'en vais.